Bonjour, je suis Audrey de Petit Peu de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercery sur Instagram et Facebook, et vous pouvez retrouver ma boutique en ligne sur audreymercery.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit vlog lingerie. J'ai comme vous le savez, j'avais acheté un coffret Tipa dans la dernière vente. Je vous mets le petit i pour vous montrer, si vous voulez voir la vidéo, de l'intérieur du coffret et des matières. Et je me suis dit qu'il serait peut-être temps de le coudre. Donc, je vais vous emmener avec moi dans la couture. Je ne vais pas vous faire un pas à pas. C'est vraiment, je vous emmène avec moi pour vous faire découvrir les modèles que je vais coudre avec les matières. Je vais vous montrer les grandes étapes. Voilà, vous verrez les grandes étapes. Et puis, je vous montrerai quel modèle. Alors, pour le haut, je vais faire donc le Tipa de Charlotte Jobert. On peut retrouver pour le patron du Tipa, on ne peut le retrouver que en coffret pour le moment. Je sais qu'il y a eu une vente là dernièrement, enfin je crois que c'était mardi, donc mardi soir, donc si vous avez pu en avoir. Sinon je sais que le patron sera disponible vers le mois d'octobre de la fin de cette année, donc il va falloir encore être patiente. Donc Tipa, c'est pas la première fois que je le fais, j'en ai déjà fait deux. Voilà, c'est ce modèle, donc je vous l'ai présenté déjà. Et puis je ne vais pas faire le pas de Tipa parce que je n'aime pas du tout ce modèle. Et j'ai d'autres modèles que j'affectionne, d'autres créatrices. Donc on va faire ça au fur et à mesure. Je vais voir selon ce qui me reste de matière, ce que je peux faire. Donc déjà, je vais utiliser donc la belle dentelle, voilà, que j'avais eue. Dans le coffret, elle est vraiment très très belle, et puis la microfibre qui va avec, donc vous voyez, ça va être vraiment très très beau. Voilà, j'adore le mélange. Et puis on a pour le faire le fond de culotte, et puis on a tous les élastiques. Enfin, vous avez vu dans la petite vidéo que je vous ai fait avant toutes les matières. Et puis si vous voulez vraiment voir le coffret complet, je vous recommande d'aller voir ma vidéo à ce sujet. Et bien écoutez, je vous emmène avec moi pour coudre mon coffret Tipa. Donc voilà, j'ai découpé toutes mes pièces. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette envers contre envers la partie devant, et puis que je prenne mes côtés, que je mets en droit de ce côté-là, hop, donc ce sera aussi sur l'endroit,
et l'endroit là aussi sur le côté. Je viens bien tout aligner et je viens surjeter et je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'ai fait mes coutures sur les côtés, j'ai rabattu de chaque côté les bandes de côté, donc ma couture est bien prise à l'intérieur. Et puis ensuite, là, j'ai fait juste une petite piqûre de maintien, voilà, tout autour. Voilà, pour tenir les deux, enfin toutes les parties ensemble, comme ça va être plus simple pour après poser ma dentelle. Donc là, on va attaquer la dentelle pour à mettre tout autour et sur le bas de notre ensemble. Donc là, en fait, je vais devoir assembler, vous voyez, le haut de ma dentelle. Donc elle est en deux parties. Donc on a les deux parties qui se trouvent ici et les deux parties des côtés. Donc en fait, c'est simple, hein, on va venir mettre, donc là, endroit contre endroit, on va piquer. Pareil sur cette partie, on va surjeter et pareil, on va faire pareil sur cette côté. Comme ça, on aura toute notre bande qu'on va pouvoir, vous voyez, hop, qu'on va ensuite venir mettre, voilà, vous voyez, qui s'intègre parfaitement, qui va venir se disposer, voilà, tout le long. Tout le haut de notre soutien-gorge, enfin notre brassière, et puis là on aura en bas la basque, enfin, la petite dentelle pour le bas. Donc ce que je fais là, je vais piquer toutes mes coutures ici, puis je vous remontre après. Alors je vous reprends, j'ai fait une petite pause pour coudre la brassière. Donc on reprend. Donc vous voyez là, j'ai posé toutes mes dentelles. Donc vous voyez, hop, voilà. Et donc du coup, ce que je dois faire maintenant, c'est mettre, donc vous voyez, là j'ai mis deux surjets de chaque côté. Voilà. Et donc, je vais devoir les mettre. Donc, mettre les deux arrières endroit contre endroit. Et là, je vais venir fermer par un surjet, puisque, enfin, par, je vais surjeter, puisque je n'ai pas d'agrafe. Donc, je vais la faire en forme brassière. Donc là, je vais faire ça. Et puis ensuite, je vais poser mon élastique de sous-poitrine, donc tout le tour ici à l'intérieur quand il sera fermé en rond, donc en rond avec un point zigzag sur le bas de ma brassière. Donc je vais faire tout ça et puis après ben, il me restera juste à poser les bretelles. Voilà. J'ai cousu tout mon élastique tout autour, vous voyez, hop, voilà, et ça donne ça sur l'extérieur, voilà. Donc là, tout est bien cousu. Je vais m'attaquer donc aux bretelles. Je vais mettre mes bretelles ici, voilà, donc qui sont là. Donc je vais regarder, je vais mesurer la longueur qu'il faut, mettre mes petits crochets, enfin les petits régleurs et tout, et puis après j'aurais plus qu'à coudre ces bretelles qui sont vraiment très très belles. Regardez, voilà, vous voyez, il y a un petit point, il y a des petits fausses coutures sur le côté, elles sont vraiment très très belles.
Alors, je dois couper deux longueurs de 50 cm plus deux de 10 cm. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc je vais vous montrer comment monter votre bretelle. Donc, vous prenez un côté. Donc là, vous avez l'endroit hein, ici. Et je viens mettre, donc, hop, je viens enfiler dans l'un des anneaux, enfin, dans une des entrées. Et puis... on repasse l'autre en haut. On a toujours notre extérieur, enfin notre extérieur est là. Hein. Voilà, donc là on a plié en deux. Là je prends mon petit anneau que je viens placer à la suite, ici. Donc là pour le moment on a ça. Voilà. De là, hop, il est parti, je le remets. On prend le bout, le morceau où on a mis notre petit anneau et on vient ici repasser dans l'entrée du haut. Voilà. Puis on repasse dans celui du dessous. Voilà. Et puis après, on tire là, voilà, et là, vous voyez, on a notre bretelle qui est faite. On n'a plus qu'à bien ajuster cette petite partie derrière, donc on va tirer un petit peu pour laisser quelques centimètres, enfin un centimètre à peu près. Et là, je vais venir faire ma petite couture pour tenir ensemble ces deux petites parties qui restent ici. Voilà, et là vous avez fait, vous aurez fini votre bretelle. Alors, je vous montre, donc j'ai, vous voyez en fait sur l'arrière, il faut que on prenne notre petit morceau de 10 cm qu'on avait fait juste avant. Alors je vais essayer de bien mettre les choses, voilà. Et vous voyez en fait, il faut qu'on vienne l'attacher sur le bas de l'élastique qu'on a fait. Puis ensuite, on vient rechercher la bretelle qu'on a faite. On essaye, on fait attention à ne pas la faire vriller. Et on vient passer hop, notre petit morceau de 10 cm dans l'anneau. Voilà, et on repasse par l'arrière comme ça. Et ce qui va donner en fait qu'on va venir le coudre sur l'arrière. Donc je vous montre, j'ai déjà fait le premier, comme ça je peux vous montrer. Donc en fait, voilà ce que ça donne. Vous voyez, hop, et ce qui est bien, c'est que voilà, sur l'arrière, en fait, je vais essayer, voilà, en fait, on n'a pas juste l'attache qui est là et qui va, en fait, ça va tirer que sur la dentelle, là, on a vraiment tout de prix sur la hauteur, donc voilà, vous voyez, on a quand même un bon maintien à ce niveau-là. Voilà, et donc voilà, ma bretelle est terminée. Donc je vais finir ma deuxième et puis je vous retrouve après pour faire un petit débrief. Et puis je pense que je vais m'arrêter là pour le moment parce que ça va faire déjà une vidéo assez longue. J'ai pas envie que vous ayez un truc qui dure 2 heures. Moi c'est pas ma cam, ça fait trop de temps à monter. Puis enfin, c'est pas très intéressant à regarder, je trouve. On se lasse. Et par contre, je vous ferai une partie 2 pour vous montrer ce que j'ai fait avec le reste des matières de ce coffret type A. Voilà, on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc à la fin. J'ai donc terminé, voilà, ma brassière type A. J'adore les coloris, ils vont vraiment très très bien ensemble, je trouve. C'est super beau. Donc là, vous voyez, je vous disais, pour le dos, hop, on voit bien que ça tient bien de haut en bas. Hein, voilà. Et puis là, c'est pareil, hein, pour le devant, en fait, c'est fixé de façon, vous voyez, de façon à prendre bien ici et pas à prendre juste là. Donc du coup, on est quand même voilà, sur quelque chose qui est bien tenu. Donc, ce que je pense de ce patron, alors moi je le trouve très bien à faire.
Franchement, pour une débutante, ça peut largement le faire. Bon, si vous avez déjà cousu une culotte, quelque chose, enfin, que vous soyez un petit peu familiarisé avec la pose d'élastique et tout ça. Mais sinon, franchement, il n'y a rien de compliqué. Et franchement, ça fait, enfin, voilà, ça fait quelque chose de quand même très joli. Je vais me faire un bas avec. J'aime beaucoup cette dentelle. Si jamais j'en retrouve ou si vous en voyez, si vous voyez la même, je vous montre un peu plus si vous la voyez. Je suis preneuse parce qu'elle est très très belle. Voilà, je vous l'avais dit, de toute façon, j'avais déjà fait un retour sur ce kit. Au niveau du bas, je ne suis pas du tout fan, rien que des explications, je ne suis pas fan du tout. Je trouve dommage, comme je l'avais déjà dit, que pour ce prix-là, on n'ait pas une vidéo qui nous accompagne, ça aurait été un plus, mais incroyable. Et puis voilà, c'est dommage, si vous voulez coudre Tipa, et ben, va falloir attendre, je crois, c'est fin d'année, octobre ou novembre, elle a dit, parce que le patron PDF n'est pas sorti encore, donc si vous voulez, il faut absolument acheter un coffret. Et croyez-moi, c'est pas simple d'en avoir. Je sais qu'elle a fait une vente il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il y a déjà plus, enfin, il y a eu plus rien. À 21h, c'était la vente. Je pense qu'une heure après, il n'y avait plus rien. Donc voilà. Mais voilà, c'est le rançon de la gloire aussi. C'est voilà, c'est. Moi, j'ai voulu essayer. Donc voilà. Mais après, je pense pas essayer d'autres modèles. Et après, je sais qu'elle va préparer des coffrets matières qui vont arriver. Alors pourquoi pas? Parce que vraiment, on est sur de la qualité, vraiment de la très très belle qualité. J'ai rarement touché d'aussi beaux tissus. Et la microfibre, je vous avoue que c'est pas simple à trouver. Là, je vais peut-être essayer chez Benitex. J'ai vu qu'ils en avaient quelques-unes, donc je vais peut-être acheter quelques mètres de plusieurs pour voir ce que ça vaut. Je pense pas que j'aurai la même qualité, mais moi, j'avoue qu'au niveau du soutien-gorge, eh ben, je préfère mettre des brassières. Et celle-là, franchement, elle tient bien. Elle n'écrase pas spécialement la poitrine. Enfin, voilà, je me sens bien dedans, c'est le principal. Voilà, et eh bien j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ce petit format vlog vous a plu, que c'était pas trop long. Je vais essayer quand même de décourter quelques parties. Enfin, voilà, mettre des choses qui restent. Que ça reste sympa à regarder, choisir une jolie musique. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, merci à toutes, à bientôt.